bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Paranda. Si vous avez vu ma petite introduction, vous vous demandez un peu ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que je fais. En fait, le Paranda est quelque chose, un accessoire capillaire qui nous vient tout droit d'Inde. Je ne connaissais pas du tout, c'est quand j'ai vu des vidéos sur internet de femmes occidentales qui reprenaient ce principe, non pas du tout dans les traditions indiennes, mais pour s'en servir comme accessoire capillaire, que je m'y suis intéressée, que j'ai fait des recherches et que donc du coup je peux vous en parler, j'ai testé et c'est quelque chose que je trouve absolument génial. Qu'est-ce que le Paranda? Alors je ne me rappelle plus de l'histoire intégrale que j'avais lue, mais je ne me rappelle plus. Brièvement, c'est un accessoire composé de 3 brins de fil plus ou moins de laine, généralement noir, au bout duquel il y a des breloques, je vous mettrai des photos dans cette vidéo, que les femmes indiennes tressent dans leurs cheveux à l'aide, dans leurs tresses, elles tressent ces 3 brins-là, et elles nouent en bas, il ne reste que les breloques qui pendent, pour les grandes cérémonies. Apparemment, c'est une tenue de cérémonie pour les mariages ou les choses de ce genre, c'est vraiment quelque chose de noble que l'on met en même temps qu'un beau sari de cérémonie. Donc voilà, moi je l'utilise comment? Déjà, moi je m'en suis fabriqué un tout simple, à l'aide de fils. C'est simplement 3 parties comme ça, nouées, et ça fait un long fil. Le but est que ce soit plus long que nos cheveux, puisqu'il faut que la tresse se termine non pas par nos cheveux, mais par ces fils. Moi, pour ce faire, j'ai utilisé du fil assez épais en t-shirt recyclé de la marque Hooked, H-O-O-K-E-D, je crois bien. Parce que les fils de laine, j'en avais déjà fait un, ça m'énervait, je trouvais ça trop fin, ça avait tendance à se mélanger, ça me gonflait. Mais beaucoup de gens le font avec simplement de la laine classique et ça marche très bien. Moi je préfère ça, je l'ai fait avec seulement 4 brins dans chaque section, mais on peut le faire avec plus ou moins de brins, c'est vraiment à la volonté. L'avantage c'est aussi que ça épaissit la tresse. Donc moi, comme vous avez vu, qu'est-ce que je fais? Je tresse en tresse collée, je noue mon Paranda dans ma tresse et je termine par un nœud. Quel est l'intérêt? L'intérêt premier, c'est que ça protège les cheveux jusqu'aux pointes, puisque la tresse est plus longue que vos cheveux. Donc vos cheveux sont tressés jusqu'aux pointes, ils sont donc protégés jusqu'aux pointes. Deuxième avantage, c'est que ça ondule les cheveux jusqu'aux pointes. Voilà, mes cheveux, le rendu après un Paranda, ça ondule les cheveux jusqu'aux pointes, il n'y a absolument pas de marque d'élastique puisqu'il n'y a d'ailleurs pas d'élastique. Et ça, je trouve ça génial parce que mes cheveux qui ont tendance à être secs détestent les tresses classiques qui finissent par un élastique, c'est un calvaire pour eux. Ça me laisse des cheveux secs mais horribles, des pointes horribles, alors qu'avec le Paranda, pas du tout. Comment moi je l'utilise? Je l'utilise généralement après m'être lavé les cheveux. Je ne l'utilise pas sur cheveux mouillés puisque sinon mes cheveux ne sèchent pas. Et quand j'enlève le Paranda le lendemain, mes cheveux sont encore mouillés et c'est pas l'intérêt. Je laisse mes cheveux pas mal sécher après les avoir lavés. J'applique ensuite du gel d'aloe vera, puis un leave-in quelconque. Ensuite je démêle mes cheveux, je tresse avec mon Paranda. Je laisse généralement au moins toute la nuit, mais quand je peux, toute la nuit et toute la journée le lendemain, et je défais et j'ai de belles ondulations. Là encore elles sont un peu défaites parce que c'est le deuxième jour, je l'ai refait hier soir, mais ça s'est un peu défait. Et je trouve ça absolument génial parce que c'est un tout en un qui protège les cheveux et qui donne de très très jolies ondulations. Donc merci aux femmes hindoues avec leurs cheveux magnifiques de nous avoir donné cette technique. Si jamais l'une d'entre vous est hindoue et passe par là et saurait nous en dire plus sur le Paranda, je vous demande vraiment de bien vouloir nous le dire en commentaire parce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et on est toujours avide de savoir. Si je retrouve le lien que j'avais trouvé qui expliquait exactement ce qu'était un Paranda, il était en anglais, je m'en excuse, je vous le remettrai en barre d'infos parce que c'était vraiment très très intéressant. Je vous invite grandement à tester cette technique parce que franchement c'est vraiment super comme coiffure protectrice la nuit. J'ai aussi testé en 2 tresses et ça marche aussi très très bien. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.